dans mon, de ma présentation ce soir. Donc, après un rapide quand même rapide étude biographique pour un peu cerner le personnage, voir ses origines françaises, ses origines normandes, alors donc, sa vie en France à partir de à peu près 15 ans, 20 ans, on ne sait pas exactement, où il est entré d'abord dans la banque de son cousin, puis la reprise par lui-même, et ensuite on verra les conditions dans lesquelles il a écrit son traité, l'essai sur la nature du commerce en général. Et ensuite, bon, on passera rapidement sur, quand même sur les idées pour les étudier plus en détail. Alors je passerai d'abord par une présentation qui est plutôt une introduction à l'essai pour essayer de déblayer un peu le terrain avant de rentrer dans le détail. Et ensuite, ses principales idées, la recherche scientifique de loi générale, qui est assez nouvelle à l'époque, la notion d'entrepreneur, qui est un des premiers à forger de manière plutôt scientifique. La monnaie et la finance, là, ça se tournera plutôt sur les banques, et également donc, toute sa contribution après la faillite de la banque de John Law, et également les effets Cantillon, qui sont connus aussi encore aujourd'hui. Et son libéralisme, on essaiera de voir si Cantillon est un auteur libéral, ce qui apparemment est le cas, mais avec quelques nuances. Et ensuite, son influence jusqu'à nos jours. Donc on verra, il y a trois grandes parties, c'est plutôt la physiocratie, les économistes classiques et l'école autrichienne encore actuellement. Donc voilà. Donc alors, pour la vie, alors, en fait, on a su assez peu de choses sur Cantillon jusqu'à 30-40 ans. En fait, il a fallu ce livre d'Antoine Murphy, qui est encore la référence aujourd'hui, qui a été traduit en français. Ça, c'est le même ouvrage, mais il y a la traduction française sous le titre Richard Cantillon, le rival de l'eau. Avant cet ouvrage, on ne savait à peu près rien en fait, sur Cantillon, mais même après, vous verrez qu'il y a encore de très très larges zones d'ombre. Donc ça, c'est vraiment la référence pour sa biographie. Alors justement, que savons-nous de la vie de Cantillon? Donc déjà, on sait à peu près qu'on doit placer des éléments entre 1680 et 1750. Alors en fait, on sait peu à la fois de sa naissance et de sa mort, et également de sa vie. Donc en fait, on sait assez peu de choses. Vous allez voir, je vais parler... Il ne faut pas que vous ayez l'impression que je parle sans savoir quoi que ce soit, mais il y a beaucoup de zones d'ombre, on va dire. Donc d'abord sur la famille quand même, puisque Murphy a fait des études... Murphy est irlandais, c'est pour ça aussi qu'il s'est intéressé à Cantillon. Sinon, on verra aussi, si on a le temps un petit peu, regarder le traitement de Cantillon dans des ouvrages de grande diffusion sur les économistes. Alors parfois il est référencé une fois, parfois zéro, et parfois un peu plus, comme chez Schumpeter, mais c'est pas vraiment la grande diffusion dans des librairies ou des choses comme ça. Donc Murphy a fait le travail sur les origines familiales de Cantillon, et il est parvenu à remonter jusqu'à des origines françaises. Avec même son nom, apparemment Cantillon serait une déformation de noms comme Cantouloun, Cantilupe, Chandelou, des choses comme ça. Donc, par exemple, Nicolas Cantelou pourrait avoir un lien de parenté. Ça, c'est ma supposition, hein, c'est pas dans Antoine Murphy, mais c'est des noms qui se ressemblent, et effectivement, c'est un nom qui est plutôt qui sonne un peu plus français. Par exemple, Stanley Jevons, qui est un économiste assez réputé de la fin du 19e siècle, qui est celui qui a en fait redécouvert Cantillon à la fin du 19e, puisqu'en fait il étudiait ce livre, que tout le monde étudiait et que tout le monde étudie encore, qui est La richesse des nations d'Adam Smith, dans lequel Cantillon est cité. Sauf qu'à l'époque, c'était devenu un auteur complètement méconnu. Et donc Jevons a voulu étudier un peu plus, regarder qui était ce Cantillon. Il a découvert un ouvrage économique assez intéressant. Et donc il a fait des articles, et par la suite, il a été publié, l'essai a été publié en anglais, et ça a lancé une redécouverte de Cantillon. C'est à toute fin du 19e siècle. Donc Jevons pensait à des origines espagnoles de Cantillon, et ça a été repris après, mais ça a été corrigé depuis Murphy. Donc les origines sont normandes, donc c'est une famille normande qui s'est installée en Angleterre, puis en Irlande
en participant à des conquêtes en Irlande et a obtenu des terres, pas vraiment par le marché, plutôt par les armes. Et ce qui est amusant, c'est que quelques siècles plus tard, vers 1650, les armées de Cromwell sont passées par les terres justement bien mal acquises. Et la roue a tourné en fait, puisqu'ils ont été destitués de leurs terres pour être donnés à des paysans anglais qui avaient fait la campagne de Cromwell. Donc ils seront devenus simples paysans quand ils avaient été très respectés propriétaires pendant quelques années. Donc ils étaient dans le côté de Kerry, je ne sais pas si ceux qui sont familiers avec l'Irlande. Donc c'est pas vraiment un centre financier, même à l'époque, c'est vraiment la campagne. Donc je vous ai mis une petite image de la campagne, on voit quelques moutons, c'est assez triste hein, celle-là. Mais donc la naissance en Irlande, elle est en 1680, ça c'est ce que nous dit Murphy, donc ça semblerait bien. Simplement, d'autres auteurs proposent d'autres dates, donc ça c'est assez embêtant. Et puis pas vraiment 1681 ou 1679, mais vraiment par exemple 1697, ce qui est quand même pas la même date. Moi je vous ai mis une petite image un peu plus sympa de l'Irlande hein, pour compenser, parce que c'est vrai que celle-là n'était pas super chouette. Donc c'est par exemple Vivian Walsh qui a proposé 1697, quand il a fait un article en 1987 pour célébrer le 200e anniversaire. Il a supposé que c'était 1697. Donc en fait, on a tellement peu d'éléments que les deux dates pourraient être bonnes, et n'importe quelle date entre les deux pourrait être bonne également. Une autre supposition, c'est la date de 1687, puisque en 1708, Cantillon a acquis la nationalité française, et là on a un document qui nous prouve, et qui est d'avril 1708. Donc on peut supposer peut-être qu'il l'a acquis à 21 ans, ce qui n'est pas automatique, 21 ans c'était la majorité, donc il a pu faire la demande à la majorité, mais on ne sait pas. Donc on ne sait pas du tout quand est-ce qu'il est né. Ce qui est assez problématique pour une raison, c'est que si jamais il était né en 1697, il aurait été un jeune prodige en banque par exemple, et puis également en théorie économique. Ce qui est moins le cas s'il est né en 1680. C'est juste pour... ça permet un peu mieux de comprendre quand même le personnage, puisqu'après il meurt assez jeune si on retient la date 1697, et il meurt à un âge avancé mais normal dans l'autre cas. Donc ensuite on connaît quelques éléments, donc on sait qu'il avait un cousin. Là c'est d'ailleurs un élément qui est un petit peu problématique dans les recherches biographiques sur Cantillon, c'est que c'était une habitude familiale de nommer les enfants soit Thomas, soit Richard, donc, mais pas d'autres prénoms, ce qui fait que même du temps de Cantillon, donc de notre Richard Cantillon, il y avait au moins deux autres Richard Cantillon, ce qui est très peu pratique dans les documents après à récupérer. Donc par exemple, ce cousin s'appelle aussi Richard Cantillon, et il est né, alors on ne sait pas vraiment non plus, hein, vers 1680, donc soit il est plus âgé, soit non. Mais on sait en tout cas qu'il s'est installé à Paris beaucoup plus tôt et qu'il est devenu marchand, puis banquier. C'est quelque chose qui était assez courant à l'époque. Soit on commençait par être commerçant et puis après les activités bancaires, on les faisait petit à petit et puis on devenait plus ou moins banque. C'est moins formel qu'aujourd'hui. Hein. Donc il avait une sorte de banque, on va dire. Et donc il a accueilli Cantillon, notre Richard Cantillon, à Paris. Richard Cantillon qui est arrivé, le peu qu'on sache, c'est qu'il était assez pauvre quand il est arrivé et qu'il a travaillé dans cette banque de son cousin. Ensuite, son cousin l'a introduit à quelques personnalités anglaises et françaises aussi de l'époque, ce qui lui a permis de travailler. Donc là, on a l'image de Barcelone au XVIIIe siècle, une peinture qui illustre comme ça un petit peu. Donc il a travaillé en Espagne pour le paiement des soldats britanniques qui étaient là-bas. Donc c'était de larges montants financiers à restituer. Alors on ne sait pas si, comme voit Gilbert, on l'a accusé d'avoir récupéré de l'argent sur les opérations qu'il faisait pour le gouvernement. Là on ne sait pas si c'est le cas, mais c'est possible puisque beaucoup d'employés dans ce genre
à cette époque-là, si maintenant à la limite, ont pu profiter de certaines largesses financières. Et en tout cas, ça pourrait expliquer que quelques années plus tard, il rachète la banque de son cousin. Donc, alors, il y a deux options, c'est soit il s'est beaucoup enrichi et donc il la rachète, ou soit cette banque est devenue vraiment dans un état, est tombée dans un état très, très mauvais, ce qui fait qu'il la rachète pour très peu. Et en fait, on pense plutôt que c'est la deuxième option, que son cousin finalement était plutôt resté marchand plutôt que banquier, qu'il n'avait pas senti l'importance par exemple d'avoir des contacts à Amsterdam ou à Londres pour pouvoir faire des paiements, des paiements internationaux, pour pouvoir faire des remises à des clients qui soient présents à plusieurs lieux, et puis faire du change aussi. C'est des choses qui sont très rémunératrices à l'époque, qui le sont un peu moins maintenant, mais qui à l'époque, il y a très peu d'intermédiaires. Et si on veut avoir de la livre sterling à l'époque à Paris ça va, mais dans d'autres régions de France, il y a deux ou trois intermédiaires possibles pour en avoir. Donc c'est des positions qui sont très lucratives. Et donc Cantillon, vers 1716, on ne sait pas exactement quand ni comment, mais en tout cas il rachète la banque de son cousin. Et ensuite, donc avec cette banque, il fait des opérations d'abord assez classiques, donc comme je vous ai dit, des remises de différentes monnaies par exemple. Et ensuite, donc il est également le banquier personnel de John Law, donc c'est vrai qu'il gère son compte courant, on va dire, son compte personnel, et il commence à un peu plus fréquenter ce personnage, qui lui-même devient plus ou moins influent. Donc là, on est vers 1716-1717. Et donc il assiste à la création de la banque de Law et du système, comme on appelait le système de Law. Avec la compagnie qu'il a fondée. Et dès le début, au début, je pense que, en tout cas, c'est ce que Murphy suppose, que Cantillon a cru en fait que ce système était viable et qu'il pouvait gagner de l'argent grâce à cela. Donc il a acheté des actions comme tout le monde. Il a détenu des billets de la banque de Law. Par contre, au bout de quelques années, il s'est dit, et c'est aussi pour ça qu'il a par la suite rédigé son traité, son essai, il a senti que le système, la banque de Law, avec les billets donc non fondés sur des métaux précieux, bien sûr, sur la confiance principalement, c'était une base trop fragile, et il a décidé de spéculer contre. Alors qu'au début, il se pouvait qu'il est pour, en disant... ça va toujours continuer à augmenter, j'y vais comme tout le monde. Et donc par la suite, vers 1719, parce que la faillite de Law, c'est 1720. Alors il y a un livre qui est très très bien, que je vous recommande, mais je ne sais pas si on peut facilement le trouver, qui s'appelle « La banqueroute de Law » par Edgar Faure, qui est dans la collection « 30 journées qui ont fait la France ». Je pense que beaucoup connaissent cette collection, qui est très très bien. D'ailleurs, il a fait un autre ouvrage qui est sur Turgot, alors, comment il appelle ça ? La disgrâce de Turgot, qui est également très 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 intéressant. Donc c'est le 17 juillet 1720, si on veut retenir une date précise pour la faillite de John Law et de son système. Mais donc dès 1719, en fait, finalement, Cantillon voit que le système est voué à l'échec et il revend ses actions. Il les avait achetées autour de 1000. Elles avaient été mises à 500. Lui est monté dans le wagon au moment des 1000. Et il les revend, alors apparemment, il les revend vers 5000, 6000. Donc on se dit, c'est quand même très bien. Simplement, en quelques mois, en fait, il a quand même un peu manqué le coche, puisque quelques mois encore après, ils ont atteint 10 000. Donc il pouvait encore aller un petit peu. Mais bon, en tout cas, il sentait que la fin était... proche, effectivement elle était proche, mais elle n'était pas pour tout de suite non plus. Donc vers 1719, il décide de tout vendre, malgré le fait qu'il conseille à ses clients de l'acheter. Mais bon, après, ça sera à chacun de juger. Hein. Après, à chacun de juger.
Mais bon, après ça, ça va le poursuivre aussi pendant toute sa vie, et même bien après, avec beaucoup de procès, puisque on verra ça par la suite. Mais en tout cas, donc, vers 1719, il décide de vendre toutes ses... de solder sa position. Et il s'enrichit énormément. Et il part pour Rome, dans une petite, pour une petite retraite un petit peu dorée. Mais par contre, il remarque que les actions continuent à augmenter. Donc pendant plusieurs mois, elles continuent à augmenter jusqu'à doubler. Est-ce que tu peux dire quand même juste un petit mot sur l'origine de cette banque de l'eau ? Pourquoi un Anglais vient en France, un Écossais, vient en France créer la première banque, me semble-t-il. La première banque publique. Alors, on pourrait faire aussi sur John Law. Alors, John Law, il est écossais, et il a cette idée qui est que, c'est quasiment keynésien d'ailleurs, c'est que l'activité économique, si elle est dans un tel marasme à l'époque, dans beaucoup de pays européens, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de monnaie. Donc il faut, on dirait imprimer aujourd'hui, parce que c'est des billets papier, il faut créer de la monnaie pour stimuler l'activité, pour faire tourner le commerce. C'est des expressions qu'il utilise lui-même. Alors il va proposer son plan, donc ça c'est son idée, on va créer une banque qui va émettre des billets, et ça va stimuler l'activité en favorisant l'investissement, par exemple. C'est assez simple à comprendre. C'est très proche des modèles keynésiens actuels, d'ailleurs. Mmh. Et donc voilà, il va écrire un livre pour défendre ses idées, et il va les proposer dans plusieurs cours d'Europe, d'abord en Angleterre, après en Espagne, en Italie. Il va se faire refuser, en fait. Et après, il va toquer chez le régent en France, qui, lui, va dire « Formidable, votre idée, le grand naïf, enfin, il en trouve un. » Et donc, il lui dit « Très bien. » En même temps, c'est vrai qu'il était quand même dans une situation financière qui n'était pas terrible. Donc, il lui fait confiance. C'est pas un chèque en blanc non plus, hein, mais il lui dit « Allez-y, vous pouvez lancer un peu votre idée. » Donc il le fait, et effectivement, au début, les actions continuent à monter, ça rapporte des revenus à l'État, et ça semble très très bien, et ça continue. Donc petit à petit, vers 1718 par exemple, là on a vraiment un phénomène de masse, c'est-à-dire que tout le monde va acheter ses billets en spéculant, parce que tout le monde pense que ça continue à augmenter, effectivement ça continue toujours à augmenter. Donc les premiers et les plus avisés ont acheté dès le début. Après les autres, comme Cantillon et d'autres, il a conseillé à des clients, par exemple, vers 1718-19, et certains clients ont revendu vers 1720, juste avant l'effondrement. Et donc, dans ce cas-là, c'était très bien pour eux. Ils ont ils ont doublé leur mise facilement. Donc ça, c'est voilà, pour donner juste une idée, ouais. C'est la première banque publique, finalement. Mais on dit aussi que ce fiasco terrible. Explique pourquoi les Français ont une telle haine de la finance. Voilà. C'est resté enraciné dans notre mémoire collective une arnaque absolue. D'un autre côté, c'était Voltaire qui avait fait la remarque, je pense que c'était vers 1730 où il fait cette remarque-là, c'est qu'il écrit, c'est des notes sur différents ouvrages économiques de l'époque, où il écrit que c'est grâce à John Law qu'on a amélioré notre connaissance économique, puisque les gens étaient complètement... naïf devant toutes les combinaisons financières ou économiques. Et depuis cette époque, ils ont commencé à réfléchir. Alors, ça, c'est la vision optimiste. Et la vision pessimiste, en effet, c'est que tout ce qui est qui a rapport à la finance et aux banques est devenu plus ou moins mystérieux et entaché de des problèmes. Donc, ça n'a pas empêché après de refaire la même erreur avec les assignats. Avec le cours forcé, oui. Mais il y a un petit point quand même sur l'époque, Philippe d'Orléans, on est au moment où on passe de l'alchimie à la science. Et l'idée un peu de faire de l'or et du papier
oui. Paraissait. Mmh. Voilà, c'est un peu. C'est un peu le fantasme qu'on peut toujours avoir eu. Il a mis un pied dans l'alchimie, ouais. Et il a cherché à faire philosophe à la climatique. C'est vrai. Il y avait un côté magique. Hein. Mmh. Et c'est vrai qu'au début, ils ont pensé l'avoir trouvé aussi, parce que les débuts ont été vraiment excellents. Quand je vous dis par exemple de 500 à 10 000, c'est vrai que ça a été, la progression quand même a frappé tous les esprits. Donc on ne pouvait pas. Il y avait très peu de personnes qui étaient contre le système dans les premières années, puisque effectivement, comment être contre, puisque tout marche comme prévu. Donc, mais au début. Donc Cantillon, au début, donc, vers 1719, donc, il revend tout. Mais simplement, il voit qu'il il acquiert une grande fortune quand même. Mais il voit qu'il y a encore quelque chose à faire. Et donc il revient sur le marché. Il avait laissé ses opérations bancaires à un ami. Et il revient. Et cette fois-ci, ce qu'il fait, c'est qu'il comprend que l'abondance, la surabondance de monnaie va faire déprécier la monnaie française. Et donc il spécule contre la monnaie française. Et il acquiert aussi également encore quasiment la même part de fortune qu'il avait acquis déjà. Et certaines estimations, alors là on ne sait pas trop, c'est le trésor français qui avait fait. Parce qu'après l'enrichissement de beaucoup de personnes, il y a eu la faillite aussi de beaucoup d'individus pendant le système de l'eau, mais beaucoup se sont enrichis. Et comme beaucoup de fois au cours de l'histoire, le trésor français a voulu rattraper un peu ces gens-là. Et donc il a créé certains impôts pour les taxer eux. Et donc, un rapport a été fait sur les personnes qui s'étaient le plus enrichies pour pouvoir les taxer si possible. Et Cantillon, en fait, selon les estimations qui sont données, aurait acquis 20 millions de livres, qui est en fait une somme vraiment considérable, et qui le place dans les 10 premiers, les 10 plus riches grâce au système de l'eau. Donc, c'est quand même. Je ne sais pas si le montant est forcément parfaitement exact, mais en tout cas. À peu près, on peut quand même dire qu'il s'est très largement enrichi grâce à ce système. Parce qu'il avait compris les erreurs, on le verra parce qu'il le détaille après dans son essai, qui, même s'il ne mentionne pas ni la Banque de l'eau, ni Jumbo lui-même, mais une grande partie de son essai tourne autour de cette idée quand même. Alors par contre, à la suite, il a eu beaucoup de procès. Puisque, alors, il avait fait quand même quelques fautes, hein. Il a conseillé des choses à des personnes en faisant lui-même l'inverse, ce qui est déjà embêtant. C'est pas répréhensible, mais c'est déjà embêtant. Après, il a aussi utilisé certaines actions qu'il avait préalablement utilisées comme garantie aussi en même temps. Donc, il n'avait pas forcément le droit de les vendre. Donc, bon, il a fait quelques opérations frauduleuses, mais dans l'ensemble, il s'est quand même enrichi légalement, on va dire, malgré le fait qu'il ait eu beaucoup de procès par la suite et jusqu'à sa mort, qui intervient très vite, on verra. Donc, alors, vers 1730, là aussi, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'il l'a écrit, mais on estime vers 1730, je vous détaillerai un peu pourquoi par la suite. Donc, il écrit ce livre, c'est le seul écrit de lui qu'on ait encore aujourd'hui. Malgré le fait qu'on sache qu'il a écrit aussi d'autres plus courts essais, mais on ne les a pas, donc on ne peut commenter que celui-là. Donc en 1734, alors là encore, sa naissance était un peu embrumée, sa mort l'est également. Alors l'histoire officielle, c'est qu'il serait mort dans l'incendie de sa maison à Londres, le 14 mai 1734. Donc ça, c'est l'histoire officielle. Alors par la suite donc on se demande pourquoi quand même quelqu'un qui est très riche, qui meurt lui-même. Donc les enquêteurs en fait ont considéré que d'abord considéré que c'était pas un suicide ni un accident, qu'il y avait eu meurtre. Donc on a arrêté ses valets, ses domestiques pour les interroger, mais on n'a rien conclu particulier. Donc il y a un corps qui a été retrouvé calciné, mais impossible de savoir si c'était Cantillon ou non. Donc voilà, en fait on n'en sait rien, on ne sait pas qui est mort ce jour-là, si c'est lui ou non. Surtout que, alors ça c'est l'autre option, alors soit il serait mort lui-même dans un banal accident domestique, soit il aurait été à
assassiné, par exemple. Ou soit, dernière solution, par exemple, on sait qu'il a retiré 10 000 livres le jour d'avant, ce qui est quand même étrange. Ouais. C'est étrange. Ça, aujourd'hui, ça n'échapperait pas. Exactement. Voilà. Donc, quand même, c'est étrange. Alors, soit c'est un mobile pour l'avoir volé puis assassiné par un incendie. Ou soit c'est une sorte d'évasion pour éviter les procès qui continuent. Et c'est vrai que les procès commençaient à être assez difficiles à tenir. Surtout que sa position était quand même assez difficile à tenir, puisqu'il était quand même en partie coupable. Il pouvait échapper un peu aux poursuites, mais pas entièrement. Donc voilà, on ne sait pas exactement, mais on sait qu'un chevalier de Louvigny, qui avait tous les papiers de Cantillon, ce qui est bizarre aussi, qui avait tous les papiers avec lui de Richard Cantillon, y compris d'ailleurs une copie de l'essai manuscrite, qui arrive au Suriname, en Amérique du Sud. Alors là, on ne sait pas, est-ce que c'est Richard Cantillon lui-même, est-ce que c'est son assassin, mais alors pourquoi garder les papiers Voilà, donc là, je vous laisse, c'est une sorte de mystère à résoudre, mais qui, je pense, qu'on ne résoudra jamais. Donc c'est vrai que finalement, quand on regarde, on connaît assez peu de choses, hein, finalement, sur Cantillon. On doit deviner plus que d'écrire vraiment les choses qu'on connaissait. Dans ce que tu as lu, est-ce qu'on voit quelque part s'il a été joueur ou pas, comme John Law ? C'est-à-dire John Law était un joueur et pariait. Ah oui, non, après, je sais pas, on ne donne pas trop d'indications. Peut-être que oui, sachant ses capacités, son intérêt pour la spéculation financière, puisque c'est vrai qu'il n'y a pas que sur le système du John Law où il essaye comme ça de gagner l'argent en achetant et en revendant. Donc peut-être qu'il a eu un intérêt pour le jeu, mais c'est pas formellement attesté. Enfin, en fait, on sait très peu de choses, hein, parce qu'on se rattache forcément aux documents officiels, qui sont par exemple le rachat d'une banque ou bien ses opérations avec des clients. Mais sinon, on sait quand même assez peu de choses. Donc, par exemple, on a très peu de correspondances de lui, quelques lettres à l'époque où il travaille en Espagne, ou avec des correspondants, avec ses avocats par exemple, quand il prépare les procès. Mais sinon, on a peu de choses. Et tu dis qu'il a été d'autres choses que le second qu'on conserve. Est-ce qu'on a au moins les titres des ouvrages qui... Parfois, oui. Par exemple, quand il travaillait en Espagne, il a envoyé à ses référents anglais des travaux comme ça. On a parfois les titres sont vagues, donc on ne sait pas trop. Par exemple, un écrit sur les monnaies, mais on ne sait pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on sait que ce n'était pas nouveau pour lui, la réflexion économique, mais... On ne sait pas exactement, on aurait pu par exemple comparer un texte d'avant la faillite de Law avec après. Par exemple pour Adam Smith, on peut comparer ses cours avant d'être venu en France et puis ses travaux après. Donc on peut essayer de voir qu'est-ce qu'il a gardé de son voyage en France. Mais là, on n'a pas les éléments possibles. On n'a que son essai qui est paru en plus en 1755. Donc pas du tout au moment, donc c'est pas lui du tout qui l'a fait paraître. Donc en plus, on doit se poser les questions qu'il a fait paraître, pourquoi. Il est paru en français, ce qui est aussi. Et avec la mention traduit de l'anglais. Qui est très vague. Ça ne peut pas être un nom générique. Comment ? Ça ne peut pas être un nom générique aussi, cette possibilité. Un groupe ? On lui a attribué, mais qu'en fait, bon. Ah non, on l'a attribué, mais non, effectivement, il est. C'est vérifié que c'est bien lui qui l'a écrit là-dessus, il n'y a pas de doute. Donc alors, les idées, alors je vais quand même d'abord un peu parler de l'essai pour le présenter, parce que c'est vrai qu'il pose quand même pas mal de questions dès le début. D'abord, donc le titre, alors là vous pouvez voir, c'est la copie de l'édition originale, « Essai sur la nature du commerce en général », traduit de l'anglais, publié à Londres chez Fletcher Gill dans Loughborne, en 1755. Alors, donc il y a beaucoup de choses. Hein. Alors d'abord... Quand est-ce qu'il a été écrit ? Donc là, on a quelques éléments qui permettent de dire que c'est vers 1730, puisqu'il cite le prix, par exemple, de certaines dorées, de l'or, jusqu'en 1729, il prend 1725, 26, 27, etc., jusqu'à 29. Donc on suppose que c'est à peu près ce moment-là. Bon, après, on pourrait très bien dire qu'il a rajouté ces éléments-là par la suite, pour mettre à jour un petit peu ses théories. Après, certaines parties, peut-être, auraient pu être... publiée, enfin en tout cas écrite à différents moments, donc ça on ne sait pas. Et donc comme je vous disais, c'est le seul écrit de Cantillon qu'on ait.
Donc on doit juger sa pensée à partir de celui-ci. Alors ensuite, en quelle langue fut-il écrit ? Alors là, selon le titre, c'est de l'anglais, mais il faut savoir qu'à l'époque, c'est écrire, traduit de l'anglais et marquer un éditeur fictif en dessous permet d'éviter la censure et de devoir faire passer le livre par le système officiel de censure. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup fait, beaucoup d'écrits économiques du XVIIIe siècle sont inscrits, traduits de l'anglais alors que c'est pas du tout une traduction. Même jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, pendant la Révolution française, il y a également des textes comme ça dont on a la mention traduite de l'anglais. Par exemple, on a un texte qui est sur les banques particulières qui défend les banques libres écossaises. Donc ça, c'est pendant la Révolution française. Et là aussi, on a marqué traduit de l'anglais, alors que pas du tout. Alors ensuite, la mention à Londres de l'éditeur. En fait, l'éditeur, il est parfaitement fictif. Enfin, il a existé, mais cette personne est morte en 1720, ce qui est embêtant. Et en plus, ce nom d'éditeur, en fait, est utilisé aussi pour une publication du premier petit essai de Turgot. Donc, ce qui nous permet un petit peu de voir qui est-ce qui aurait pu le publier. En fait, la chose la plus logique, donc je vais passer tout de suite. Donc, en 1755, peut-être revenir quand même sur pourquoi 1755. Donc, en fait, il y a quand même beaucoup de procès, ce qui fait que Cantillon évite de mettre son nom à la publicité, même si il ne serait pas écrit sur la page de titre. On sait très bien, c'est des petits milieux quand même à l'époque. On sait très bien que c'est Cantillon et. Au bout de quelques années, on le saura très très vite. Sans doute, c'est la raison pour laquelle l'essai a traîné pendant de nombreuses années en format manuscrit. Et la deuxième raison, c'est aussi qu'à l'époque, le manuscrit, c'est une sorte de publication également. Donc, au XVIIIe siècle, au lieu de faire paraître un livre, on peut le diffuser à certains amis, puisque de toute façon, un essai comme celui-ci aura une diffusion très limitée. Donc, par exemple, 10 copies manuscrites ou bien une publication, finalement, c'est à peu près la même chose. Et donc, pendant 20 ans, cet essai a été diffusé en format manuscrit. Et on verra l'influence que déjà le manuscrit a eu dans l'histoire de la pensée économique. Ensuite, qui l'a publié ? Donc, en fait, la logique veut que ce ne soit pas une publication anglaise, mais bien française. Le manuscrit, donc il y a beaucoup de manuscrits qui ont circulé, dont un qui a atterri dans les mains du marquis de Mirabeau, d'autres sans doute. Et en tout cas, donc c'est la mention de l'éditeur permet de rattacher la publication au groupe de Vincent de Gournay, qui est un libéral qui est moins connu aujourd'hui, mais qui a quand même marqué. De son empreinte, la pensée économique de au moins 1750-1760. Il a beaucoup formé Turgot, par exemple, quand il l'accompagnait dans des tournées en tant qu'intendant intendant de commerce. Pardon. Donc c'est sans doute le groupe de Gournay qui est à l'origine de cette publication, puisqu'il il publie également beaucoup de textes économiques vers 1750-1758. Donc voilà, on suppose que c'est à Gournay qu'on doit cette publication. Alors le plan de l'essai, il est assez, assez bizarre. Il est assez proche finalement d'un Adam Smith, où on se perd dans des développements, où on revient à certaines idées. C'est pas quelque chose de clairement établi, comme par exemple on pourrait avoir premier chapitre, la valeur, deuxième chapitre, la monnaie, troisième chapitre, etc. C'est un peu moins pur que cela, mais en même temps, on a quand même un plan qui est beaucoup plus strict que, par exemple, Vogelberg, où là, ça va un peu dans tous les sens, ou d'autres à l'époque, parce qu'il y a peu de publications économiques à l'époque. Hein. Donc, les publications qu'on peut comparer à l'essai de Cantillon sont clairement beaucoup plus faibles au niveau de la structure, puisque Cantillon commence en fait avec une première partie très générale sur. Quelque chose de très abstrait. En fait, il prend un peu l'exemple de ce qu'on pourrait utiliser comme une nation séparée des autres pour l'étudier en elle-même, donc sans ses rapports avec d'autres pays. Et la suite, il essaye d'incorporer des éléments un peu plus compliqués, comme les éléments notamment bancaires et financiers,
pour voir les relations internationales également, le commerce international. Donc voilà, c'est à peu près le plan, et ça pourrait forcément être plus mieux agencé, plus logique, mais ça pourrait aussi être pire, puisqu'on verra que, par exemple, Mirabeau, qui au début voulait faire un commentaire de ce livre, parce qu'il pensait que ce livre était absolument génial, et il a voulu faire un commentaire de ce livre, parce qu'il n'était pas encore publié, donc il a commencé, et ce livre est devenu quelque chose de désordonné, de chaotique. Donc la structure finalement est assez bien pensée pour l'époque. Et ensuite, dernier point quand même introductif, la méthodologie qui est présente dans l'essai, puisqu'elle importe en elle-même aussi, puisque des auteurs autrichiens, par exemple, quand ils rendent compte de Cantillon, insistent beaucoup sur la méthodologie qui est présentée dans l'essai, donc notamment l'individualisme. C'est-à-dire que Cantillon, quand il étudie par exemple les prix, la valeur, reprend toujours la notion de l'individu. Donc c'est selon l'individu, c'est en fonction de l'individu, et non par exemple le facteur la terre, le facteur consommation, etc. Donc c'est pas du tout des agrégats, c'est toujours l'individu, voir si par exemple la consommation d'un individu va influer sur le prix, va influencer par exemple le mouvement de consommation d'autres personnes, par exemple. Ensuite, la séparation entre science et éthique, qui est assez nouvelle à l'époque, et Cantillon fait nettement cette séparation-là, c'est-à-dire que lui se consacre uniquement aux principes généraux, donc c'est pour ça aussi que le livre s'appelle « Essai sur la nature du commerce en général », puisque c'est véritablement une étude en général et non sur la technique politique ou bien les mesures qui peuvent être prises. Là encore, c'est une grande différence avec par exemple Mandelberg qu'on avait étudié la séance passée, où là le tout est mêlé et plutôt de la pratique et de la politique plutôt que les principes. Donc là, alors il ne faut pas non plus se laisser attraper par le terme commerce, puisque le terme commerce à l'époque c'est le seul en fait qu'on ait pour présenter l'économie. Donc on utilise le terme commerce, et encore jusque dans les années 1770, à peu près comme un substitut au terme économie. Donc on pourrait traduire finalement essai sur la nature de l'économie en général. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau. On a assez peu d'exemples d'un traité, puisque c'est un essai sur l'économie en général. Donc vraiment sur l'économie, qui essaye de faire la synthèse des principes qui sont connus à l'époque, par exemple chez Locke et d'autres, vraiment d'en faire la synthèse et puis d'exposer dans un plan assez rigoureux ces principes dans leur ensemble. Et ensuite, on a la méthode hypothético-déductive qui est attribuée à Cantillon, c'est-à-dire que la logique, c'est utiliser d'abord des postulats de départ dans un nombre assez réduit, et ensuite de continuer à partir de ces postulats pour déterminer les relations causales entre les phénomènes économiques. Par exemple, c'est la méthode qui a été plébiscitée par l'école autrichienne, par exemple. On peut commencer par certains axiomes, par exemple, autour de l'action humaine, et poursuivre ensuite dans le développement logique jusqu'à l'explication de certains phénomènes, de la concurrence, etc. Donc Cantillon essaye ce modèle, plus ou moins, et c'est quelque chose qui lui est attribué, en tout cas. Par exemple, certains auteurs autrichiens, là j'ai une citation peut-être, c'est Joseph Salerno dans le journal des Libertarian Studies, qui a fait un article sur la méthodologie de Cantillon, très très élogieux, pour dire que Cantillon avait tout compris, et que c'est exactement ce que font les Autrichiens. Donc il écrit, en formulant ses théories économiques, Cantillon utilise la méthode hypothético-déductive. Selon cette méthode, les théories ou lois économiques sont logiquement déduites d'un petit nombre d'axiomes fondamentaux. Les axiomes, à leur tour, ne sont pas purement arbitraires ou hypothétiques, mais sont constitués de faits généraux obtenus par le théoricien à travers son expérience de la réalité. Donc c'est vraiment la méthode qui a été par la suite choisie par l'école autrichienne comme étant la seule valable pour les recherches en théorie économique. Donc ensuite, c'est vrai que Cantillon
la logique de l'essai, l'objectif finalement de son essai, c'est de rechercher des lois générales, d'où le titre de son livre. On a deux citations pour montrer que c'est quelque chose qui lui est attribué assez généralement. Donc Anthony Brewer, qui a fait un livre très intéressant d'ailleurs sur Cantillon, pionnier de la théorie économique. Donc Richard Cantillon fut un acteur central dans le développement de la science économique. Il fut l'un des premiers à considérer l'économie comme formant un système interconnecté et à essayer d'expliquer comment il fonctionne. Alors c'est vrai que pour nous, ça paraît une idée banale. On se dit, tout le monde est au courant que l'économie peut être représentée comme un tout. Mais à l'époque, c'est quelque chose qui est très nouveau, puisqu'on analyse par exemple certains prix, on analyse peut-être les banques, on analyse certains faits, mais pas l'ensemble. Les relations économiques ne sont pas étudiées en général. Et donc c'est quelque chose qui est très nouveau pour l'époque. Ça n'est pas à Keynes qu'on attribue habituellement cette vision comme ça. Alors c'est vrai que le terme, par exemple, général, c'est vrai qu'on ne peut pas dire théorie générale, etc. Mais il y a deux acceptations peut-être possibles. La première, c'est justement étudier l'économie en général, mais ça à partir de Cantillon et des physiocrates, tout le monde va le faire. Smith, par exemple, étudie l'économie en général. Il étudie l'agriculture et tout, mais dans l'ensemble. Et alors que Keynes, c'est vrai qu'il introduit ce terme théorie générale. On verra par la suite que. Théorie générale, alors je me suis dit la réflexion là-dessus. Mais c'est vrai que Keynes, on lui attribue ça parce que. Mais on verra qu'en fait, il s'inspire beaucoup de Cantillon. La relation entre Cantillon et Keynes est très très forte, à travers Mirabeau. Je dirais un mot de cela. Mais en fait, si on lit l'essai de Cantillon, on voit que finalement, certains auteurs, par exemple, considèrent que le tableau économique et la représentation déjà dans Cantillon, mais sous forme écrite. Par exemple, dans la première partie, c'est vrai qu'il détaille les différents flux économiques entre différentes, par exemple, l'agriculture, les propriétaires, etc. Finalement, de manière assez proche de ce que fera Keynes par la suite. Mais Keynes, alors il y a deux raisons pour lesquelles on lui attribue beaucoup de choses. La première, c'est que à son époque, tout le monde lui a attribué les choses. Tous ses disciples ont dit le maître a parlé, et on considérait, par exemple, Mirabeau. Le même Mirabeau a écrit une fois que le tableau de Keynes était l'une des trois plus grandes inventions de l'humanité après la parole et la monnaie. La parole et l'écriture. Ce qui fait quand même classement. Chacun a son échelle de valeur, mais quand même, c'est assez étrange. Mais donc voilà, c'est parce qu'on a considéré qu'il avait vraiment fait quelque chose d'incroyable. Et Cantillon, à côté de ça, a été assez oublié. Donc alors, on va passer à l'entrepreneur, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de Cantillon, quand on en parle, on en parle très peu, mais quand on en parle, c'est au moins pour l'entrepreneur et pour les effets Cantillon. Donc on va voir un petit peu l'entrepreneur. Alors d'abord, la notion d'entrepreneur, parfois dans certains ouvrages, j'ai vu que soit on n'attribue rien à Cantillon, soit on lui dit il a tout inventé sur l'entrepreneur, etc. Donc c'est pas exactement vrai. Le terme entrepreneur, déjà, c'est pas lui qui l'invente. Il est présent par exemple chez Savary dans Le Parfait Négociant, de 1675, qui est un ouvrage plutôt de droit pour conseiller les entrepreneurs, on pourrait dire, mais en tout cas les négociants, les commerçants. Donc le terme entrepreneur est présent, et par exemple ce livre, Le Parfait Négociant, était dans la bibliothèque du cousin de Cantillon. Je supposais que peut-être c'est là-dedans qu'il l'a trouvé, puisqu'il était assez peu courant à l'époque, de même que l'équivalent anglais Undertaker, qui n'est pas passé à la postérité, on va dire. C'est croque-mort. Oui, c'est croque-mort. Oui, mais on aurait pu l'utiliser aussi dans ce sens-là. Dans le sens de l'entrepreneur. Donc Cantillon utilise cette notion qu'il trouve chez Savary, mais néanmoins il en fait un usage qui est très différent de l'usage qui précédait, notamment par exemple dans le livre de Savary. Donc sa définition finalement, c'est l'entrepreneur, c'est celui qui prend un risque. Donc il néglige par exemple le fait que certains entrepreneurs, on va dire, utilisent leur propre capital ou un capital qui est prêté, alors que cette distinction, par exemple, est faite par d'autres auteurs. Pour lui, tous ceux qui
toutes les personnes qui prennent un risque, qui agissent dans l'incertitude, par exemple vis-à-vis des prix, de la demande. Donc, par exemple, un commerçant est un entrepreneur puisqu'il ne sait pas quelle sera la demande de son produit dans quelques semaines, dans quelques jours. Donc il agit dans l'incertitude. Donc, pour Cantillon, le sous-commerçant est un entrepreneur. C'est vrai aussi, par exemple, de l'agriculteur qui doit dépenser pour des avances productives, qui ne sait pas le prix de vente, etc. Donc, finalement, il y a beaucoup d'entrepreneurs pour Cantillon. Et il définit deux classes, ce qui est intéressant, parce que le terme classe sociale sera après utilisé dans différentes acceptations, y compris par Marx. Et donc pour lui, deux classes principales, qui sont les entrepreneurs d'un côté, et les gens à gage, on pourrait dire les salariés, parce que le terme n'est pas utilisé, mais c'est plus ou moins un équivalent. Donc par exemple, je vais vous citer un passage dans lequel il établit cette distinction de classe. Donc tous les habitants d'un État peuvent se diviser en deux classes, savoir en entrepreneurs et gens à gage. Les entrepreneurs sont comme à gage incertain, et tous les autres à gage certain pour le temps qu'ils en jouissent, bien que leur fonction et leur rang soient très disproportionnés. Le général qui a une paye, le courtisan qui a une pension et le domestique qui a des gages tombent sous cette dernière espèce. Donc c'est vrai que voilà, c'est assez hétérogène à l'intérieur de ces deux classes. Tous les autres sont entrepreneurs, soit qu'ils s'établissent avec un fonds pour conduire leur entreprise, soit qu'ils soient entrepreneurs de leur propre travail sans aucun fonds, et ils peuvent être considérés comme vivant à l'incertain. Les gueux mêmes et les voleurs sont des entrepreneurs de cette classe. Donc vraiment, voilà, la notion centrale, c'est quand même la prise de risque et l'incertitude. Ce qui d'ailleurs va être repris par certains Autrichiens, par exemple Mises, qui va critiquer Cantillon. On va dire c'est formidable d'avoir apporté ce terme et cette notion, mais finalement, tous les agents dans l'économie agissent dans l'incertitude. Donc tous les agents sont entrepreneurs. Et, donc il va pousser cette distinction un peu plus loin. En tout cas, la classification, parce que c'est quelque chose d'assez nouveau, je pense d'ailleurs que Cantillon est un des premiers à avoir classifié économiquement des groupes sociaux. Économiquement, je veux dire, non pas politiquement, ou pour des raisons, mais vraiment pour des raisons économiques. Parce que c'est intéressant, il parle de classe. Et aujourd'hui, on entend parfois des gens se lamenter du fait que les économistes classiques, au moins, ils avaient cette vision de la société en classe. Ouais. C'est le cas chez Ricardo, chez Smith, c'est vrai. Beaucoup plus tard. C'est vrai que... Mais pour eux, les classes correspondent un peu plus à ce qu'on imagine aujourd'hui. Oui. Il y a les rentiers et les capitalistes, voilà, et puis voilà. Oui. Les travailleurs. Alors que ce que tu montres chez Cantillon, ce n'est pas du tout les notions de statut social. Voilà. Mais par exemple, c'est vrai que c'est vraiment dans l'école anglaise où on va retrouver les classes capitalistes, salariés, propriétaires terriens, rentiers finalement, ce qui seront les mêmes chez Marx hein, d'ailleurs, juste peut-être avec parfois quelques changements de termes. Mais dans l'école anglaise et chez le marxisme, on a les mêmes notions de classe sociale, alors que par exemple chez Cantillon, et dans l'école française, on va avoir plusieurs notions différentes, par exemple les physiocrates qui vont définir des classes productives et non productives, ce qui ne va pas vraiment passer à la postérité par la suite, mais par exemple des auteurs du début du 19e, non pas vraiment, mais des auteurs par exemple du début du 19e siècle, des libéraux, les industrialistes par exemple, vont déterminer plusieurs classes, ou deux classes au moins principales, la classe de ceux qui s'enrichissent par leur travail, ou par l'échange, et ceux qui s'enrichissent par le travail d'autrui, par la spoliation, par l'impôt, par les conquêtes. Donc c'est des notions qui vont être vraiment très très différentes. Là-dessus, c'est vrai que Cantillon ne crée pas une tendance à utiliser une classification selon l'entrepreneur, mais en tout cas, il en utilise une, et c'est vraiment des notions très différentes de l'école anglaise. Ça mérite d'être noté. C'est vrai que c'est très différent de ce qu'on entend par classe sociale aujourd'hui, même dans les cours. Moi, j'ai pu en avoir il y a quelques années en cours d'économie, en SES, comme on dit. Et c'est vrai que c'est très très différent. On parle de classe sociale, c'est-à-dire en gros les exploités, les exploiteurs. En gros, si on veut définir deux classes ou si on veut être un peu plus fin, les exploiteurs peuvent être propriétaires, peuvent être capitalistes. Et c'est vrai que chez Smith, chez Ricardo, on a les termes propriétaire, capitaliste. Par exemple, capitaliste, pour l'accorder avec la notion d'entrepreneur, c'est très difficile, puisque un entrepreneur, dans la notion de Cantillon,
il peut fonctionner sans capital, ou avec, si on a la notion de capital qui est son propre corps, son propre esprit, mais il peut fonctionner sans capital matériel. Et inversement, il peut être véritablement un capitaliste, c'est-à-dire prêter un capital sans être entrepreneur lui-même. Donc ce sont vraiment deux notions très très différentes et qui ne s'accordent pas très très bien ensemble. Alors, pour comparer quand même, parce que quand on parle d'entrepreneur dans certains livres où ils font l'histoire, du concept d'entrepreneur pour voir un petit peu qui est-ce qui a vu le premier que l'entrepreneur était l'acteur central d'une économie de marché, etc. Souvent on considère que c'est Jean-Baptiste Say, parce que c'est vrai qu'il fait la distinction et que Jean-Baptiste Say est quand même assez connu. Soit on considère que c'est Turgot, mais simplement quand on regarde un petit peu leur texte, on voit que les notions sont un petit peu différentes. Alors par exemple chez Turgot, celui est entrepreneur celui qui n'a pas de capital. Seulement celui qui n'a pas de capital. Donc si quelqu'un a un capital, il devient capitaliste. Et l'entrepreneur est celui qui dirige l'entreprise, finalement, mais qui n'apporte pas lui-même le capital. S'il l'apporte, donc il tombe dans une catégorie différente. Chez Jean-Baptiste C, là, on a davantage affaire à une sorte de planificateur. C'est-à-dire que c'est un peu le chef d'entreprise au sens strict. C'est-à-dire qu'il dirige l'activité de son entreprise. Mais c'est beaucoup moins large que chez Cantillon, où là, on a vraiment l'idée de création entrepreneuriale, c'est-à-dire que l'entrepreneur est celui qui prend un risque, quoi qu'il fasse, donc qu'il agisse avec un capital, sans capital, quelle que soit son activité. S'il prend un risque, même s'il ne le prend pas lui-même, s'il ne le prend pas tout seul, s'il ne le prend pas avec son capital, il est un entrepreneur. Donc, peut-être, voilà, insister quand même sur le fait que cette notion... Je ne sais pas si tu as cité, il y a le titre d'un de ces chapitres. Oui. Ça m'avait frappé. La circulation, le troc et la production des marchandises, donc en gros, l'activité économique, se conduisent par des entrepreneurs et au hasard. Voilà. Oui, parce que, alors, je vais quand même rappeler que Stéphane a fait la version électronique de l'essai de Cantillon, qui est disponible grâce à toi. Merci. Et donc effectivement, c'est vrai que certains types de chapitres sont intéressants. Par exemple, autour des prix, autour de la valeur, parfois il résume son propos de façon assez intelligente. Et effectivement, là, c'est une phrase qu'on pourrait ressortir en elle-même et qui résume assez, encore mieux que ce qu'il développe dans ses paragraphes. Et c'est vrai que sa notion est quand même pertinente quand on voit aujourd'hui le développement d'une économie de marché où on voit que l'entrepreneur finalement est au centre et non pas l'État, le planificateur, etc. Donc c'est vrai que la notion d'entrepreneur sert aussi pour faire face aux dérives planificatrices d'un État central, par exemple. Et c'est pour ça que par exemple l'école anglaise peut être considérée un peu comme fautive parce qu'elle introduit des notions qui sont plutôt... trouvé par la suite chez Marx, par exemple sur les classes, mais également avec l'oubli de l'idée d'entrepreneur. Et par exemple, on a Jean-Baptiste Say qui, à son siècle, avait vu qu'il n'y avait toujours pas de changement chez les économistes anglais, écrivait « Les Anglais n'ont point de mots pour rendre celui d'entrepreneur d'industrie, ce qui les a peut-être empêchés de distinguer dans les opérations industrielles le service que rend le capital du service que rend par sa capacité et son talent, celui qui emploie le capital, d'où résulte de l'obscurité dans les démonstrations où il cherche à remonter à la source des profits. » Donc c'est très très juste, hein. C'est vrai que c'est exactement la confusion qu'ils ont fait. C'est-à-dire que le capitaliste, s'il a prêté son capital, il retire un intérêt de son capital simplement, par le prêt, il met à disposition des moyens financiers, alors que l'entrepreneur, c'est sa rémunération sera forcément différente. Et la raison de sa rémunération est également différente. Elle est parce qu'il prend un risque, parce qu'il se prive d'un revenu fixe, par exemple. Donc on va passer, comme je vois que le temps tourne, à la monnaie et la finance. Donc là, c'est un terme assez général pour décrire les idées en termes de banque, en termes de monnaie. Donc il faut ne pas oublier quand même que l'essai a été écrit à la suite de la faillite de John Law.
en partie pour l'expliquer aussi, forcément, et pour apporter une alternative. Donc on va voir ce que l'alternative pour Cantillon est. Alors d'abord, la monnaie pour Cantillon est une marchandise. Donc il passe de longs chapitres, enfin pas de longs chapitres, de longs paragraphes en tout cas, pour détailler l'origine de la monnaie. C'est quelque chose d'assez classique, donc c'est d'abord des objets de consommation courante, des coquillages, du sel, des clous, bref, du cacao, etc. Et il nous dit que si le choix s'est porté sur les métaux précieux, c'est en raison de la nature elle-même de ces métaux qui les rend plus propres à servir comme monnaie, plutôt que effectivement du blé, des clous, etc. Parce qu'ils sont plus divisibles, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est courant, qui est dans les manuels partout. Chez Smith aussi, il reprend ça, mais là-dessus, on peut déjà trouver ce genre d'explication chez Aristote, donc c'est pas nouveau à l'époque. Simplement, ce qu'ajoute Cantillon, c'est que si on s'échappe d'une monnaie qui a un coût, finalement, parce que la monnaie qui est une marchandise, si on utilise une monnaie qui est une marchandise, cette monnaie a un coût. Donc elle vaut quelque chose. Alors que la monnaie fiduciaire, la monnaie de papier, de John Law et des assignats plus tard, ne vaut rien par elle-même. Elle vaut par la confiance. Et Cantillon met l'accent sur le fait que cette confiance, puisqu'elle ne repose pas sur la nature des choses, elle est volatile et elle peut être perdue d'un instant à l'autre, et donc peut précipiter des crises de défiance, comme ce fut le cas pour John Law, où là, certains détenteurs de billets ont voulu vendre et rendre leurs papiers en échange de l'argent qu'ils avaient laissé, de l'or et de l'argent qu'ils avaient laissé. Et au début, on leur a accordé cet argent, et par la suite, on leur a dit, mais écoutez, on n'en a plus, il faut garder ses billets, etc. Donc là, la défiance s'est installée. Et donc, Cantillon, avec cette expérience qu'il a acquise sur la faillite de son ami, quasiment son collègue, en tout cas John Law, remarque l'origine possible de crise avec l'utilisation de papier monnaie. Donc il note par exemple, il faut que la monnaie ou la mesure commune des valeurs corresponde réellement et intrinsèquement en prix de terre et de travail aux choses qu'on en donne en troc. Sans cela, elle n'aurait qu'une valeur imaginaire. Par exemple, si un prince ou une république donnait cours dans l'État à quelque chose qui nous pointe une telle valeur réelle et intrinsèque, voilà, c'est à quoi il pense, non seulement les autres États ne la recevraient pas sur ce pied-là, mais les habitants même la rejetteraient lorsqu'ils s'apercevraient du peu de valeur réelle. Donc c'est exactement ce qui s'est passé dans le système de John Law, et c'est ce qu'il a en tête. Et il cite aussi un exemple historique. Lorsque les Romains, vers la fin de la première guerre punique, voulurent donner à des as de cuivre du poids de 2 onces la même valeur qu'avaient auparavant les as du poids d'une livre ou de 12 onces, cela ne put pas se soutenir longtemps dans le troc, et l'on voit dans l'histoire de tous les temps que lorsque les princes ont affaibli leur monnaie en conservant la même valeur numérique, toutes les marchandises et les denrées ont enchéri dans la proportion de l'affaiblissement des monnaies. Donc il signale quand même 2 points importants, qui sont le premier, la défiance croissante des populations envers une monnaie qui n'a pas de valeur elle-même, et qui finalement, si on troque l'épargne qu'on a contre des billets, finalement le billet, s'il n'est pas reçu en paiement immédiatement, il n'a aucune valeur. On peut allumer le feu avec, mais c'est tout. Alors que l'or et l'argent sont plus rassurants, surtout à l'époque, encore aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'est une innovation financière. Enfin, il faut l'appeler comme ça pouvait le paraître à l'époque. Introduire des billets dans la circulation, c'est une innovation financière. Et par exemple, même au XIXe siècle, les défenseurs de la banque libre en France, donc de la création de monnaie par des banques privées, ont eu beaucoup de mal parce que aussi l'opinion publique n'était pas encore véritablement acquise au fait que on puisse avoir des billets, que ça soit quelque chose de sain. Et en cela, on rejoint ce que disait Damien sur la méfiance en partie issue de la faillite du système de John Law. Alors le côté inflation, donc ça c'est le premier, c'est la défiance, et le deuxième c'est l'inflation. Donc il note quand même que
l'émission de papier monnaie crée forcément de l'inflation. Et son innovation en la matière va consister à déterminer ou à définir plutôt que l'inflation ne va pas toucher tout le monde de la même façon. Et c'est ce qu'on appelle l'effet ou les effets Cantillon, c'est-à-dire que certaines parties de la population vont s'enrichir ou bien s'appauvrir d'une façon différente qu'une autre partie de la population. Parce que l'inflation ne se répercute pas immédiatement et directement et continuellement sur tous les produits en même temps. Donc il explique cela, il donne des exemples également historiques. Je peux peut-être vous citer les passages puisqu'ils sont quand même une notion importante. Et c'est là où, par exemple, certains de ses précurseurs, comme Locke, lui considérait que voilà, l'argent, si on en apporte trop, par exemple, de l'Amérique du Sud, effectivement, l'inflation va naître. Mais ce n'est pas un problème très très grand puisque elle va se répartir également sur tout le monde et sur tous les biens. Donc, on va voir sur... Donc, par exemple, il note, Monsieur Locke pose comme une maxime fondamentale que la quantité des denrées et des marchandises proportionnée à la quantité de l'argent sert de règle au prix du marché. J'ai tâché d'éclaircir son idée dans les chapitres précédents, donc là, c'est après avoir déterminé toutes ces idées. Il a bien senti que l'abondance de l'argent enchérit toute chose, mais il n'a pas recherché comment cela se fait. La grande difficulté de cette recherche consiste à savoir par quelle voie et dans quelle proportion l'augmentation de l'argent hausse le prix des choses. Là, c'est vraiment, on est au cœur finalement des recherches les plus contemporaines de l'école autrichienne, par exemple, qui essaye de déterminer dans quelle branche économique la nouvelle monnaie, on pourrait dire, de la Banque centrale américaine, par exemple, a pu être incorporée, pour voir quelles sont les progressions, où l'inflation arrive exactement. Non pas se contenter du taux d'inflation pur, mais vraiment regarder dans chaque secteur, là, les secteurs qui sont influencés par la nouvelle monnaie et les secteurs qui le sont moins et qui forcément dépérissent ou connaissent un boom, par exemple les marchés financiers ou bien l'immobilier par rapport à d'autres secteurs. Ou alors, par exemple, bien sûr, les secteurs technologiques lors de la bulle Internet. Donc, ce sont vraiment... Alors, je vais vous reciter encore le passage où il détermine... Alors, j'estime en général qu'une augmentation d'argent effective cause dans un État une augmentation proportionnée de consommation qui produit par degré l'augmentation des prix. Si l'augmentation de l'argent effectif vient des mines d'or ou d'argent qui se trouvent dans un État, le propriétaire de ces mines... Les entrepreneurs, les fondeurs, les affineurs et généralement tous ceux qui y travaillent ne manqueront pas d'augmenter leurs dépenses, la proportion de leurs gains. Ils consommeront dans leur ménage plus de viande et plus de vin, etc. Donc là, il voit vraiment qu'il prend les exemples et il dit si la nouvelle monnaie s'incorpore d'abord dans des secteurs comme la production minière, ce seront les producteurs, les salariés de ces secteurs qui vont d'abord bénéficier de cette nouvelle monnaie. Et ce sont les derniers, finalement, dans la chaîne, qui s'appauvriront le plus, ou qui s'appauvriront par rapport à d'autres, qui n'auront pas senti, qui auront par exemple leur augmentation de salaire ou de revenu, mais qui n'auront pas encore subi l'augmentation des prix, quand l'inverse sera vrai pour les derniers à subir les effets d'une nouvelle monnaie. Donc on va passer rapidement au libéralisme de Cantillon, donc pour voir un petit peu est-ce que l'on peut dire et dans quelle mesure on peut dire que Cantillon est un auteur libéral. Alors d'abord, il a clairement des traces de mercantilisme, mais d'une forme de mercantilisme qui est un petit peu adoucie par ses réflexions. Alors par exemple, c'est vrai que le mercantilisme, depuis Adam Smith, on considère que le mercantilisme, c'est penser que la richesse, c'est les métaux précieux. On a une idée, on se dit, voilà, et on pense que tous les auteurs mercantilistes, ou bien tous ceux qui pensent ainsi, sont mercantilistes. Donc Cantillon, lui, fait bien la distinction entre ça et sa théorie de la richesse, c'est
sont richesses les biens consommables pour les populations et non l'argent ou les métaux précieux. Donc déjà, il se détache de ce préjugé mercantiliste qui est attribué à tous les auteurs mercantilistes, à tort. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes de politique étrangère, de commerce international, il est favorable à une sorte de protectionnisme. Pour des raisons qui sont assez obscures, puisqu'il ne les établit pas directement dans son essai. Donc on peut se demander soit c'est encore des souvenirs d'un cantillon du passé, qu'il aurait eu certaines idées, mais sans les approfondir. Donc c'est possible. Mais en tout cas, il ne donne pas vraiment les raisons de son choix en faveur du protectionnisme. Mais en tout cas, c'est ce qui le fait pencher plutôt vers une sorte d'antilibéralisme. Mais par contre, sur le reste, il reste quand même en droite ligne des auteurs libéraux qui le précèdent et qui le suivent, par exemple de Turgot ou de Smith, qui a beaucoup puisé dans l'essai de Pontillon. Donc, par exemple, la propriété privée lui semble un élément naturel, nécessaire. Par exemple, écrit, si on suppose que les terres n'appartiennent à personne en particulier, il n'est pas facile de concevoir qu'on y puisse former une société d'hommes. Donc là, il détaille aussi ces éléments-là. Donc, pour lui, la propriété privée est quelque chose de naturel. Naturel également l'inégalité entre les hommes, puisqu'il voit bien que l'inégalité est dans la nature elle-même. Et ensuite, qu'il y a également inégalité de travail, inégalité d'application du travail, ce qui fait que même si on partageait au début les richesses, il y aurait également inégalité au bout d'un temps très court. Donc, par exemple, il écrit « De quelque manière que se forme une société d'hommes, la propriété des terres qu'ils habitent appartiendra nécessairement à un petit nombre d'entre eux. » Et il note également que si le prince fait la distribution des terres par portion égale à tous les habitants, là, c'est une sorte de critique du communisme quelques siècles avant, elles ne laisseront pas dans la suite de tomber en partage à un petit nombre. Un habitant aura plusieurs enfants et ne pourra laisser à chacun d'eux une portion de terre égale à la sienne. Un autre mourra sans enfant et laissera sa portion à celui qui en a déjà, plutôt qu'à celui qui n'en a pas. Un troisième sera fainéant, extravagant ou maladif et se verra obligé de vendre sa portion à un autre qui a de la frugalité et de l'industrie, qui augmentera continuellement ses terres par de nouveaux achats auxquels il emploiera le travail de ceux qui, n'ayant aucune portion de terre à eux, seront obligés de lui offrir leur travail pour subsister. Donc il voit qu'il y a une dynamique dans l'inégalité et dans l'égalité. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant également. Donc il nous signale quand même, je parle de communisme, c'est pas forcément exactement le terme à utiliser, mais en tout cas que des dispositifs généraux, même s'ils étaient sophistiqués, ne permettraient pas de supprimer l'inégalité en tout cas. Et ensuite, la fixation libre du taux d'intérêt, alors c'est une notion qui est pas forcément majeure, mais en tout cas, il faut se rappeler par exemple que dans les lois actuelles, on a encore des lois contre l'usure. Donc même encore aujourd'hui, on n'est pas encore totalement passé, en tout cas en France, sur la libre fixation d'un taux d'intérêt. Donc bien sûr, ça remonte à Aristote, aux Grecs, également à l'Église qui condamnait le taux d'intérêt trop élevé, également le prêt à intérêt lui-même au début. Et en tout cas, quand ils ont écrit, donc rien n'est plus divertissant. Alors ça, c'est vrai que c'est une phrase qui a beaucoup marqué, j'aime bien. Rien n'est plus divertissant que la multitude des lois et des canons qui ont été faits dans tous les siècles au sujet de l'intérêt de l'argent, toujours par des sages qui n'étaient guère au fait du commerce et toujours inutilement. Ah, c'est... Là, c'est assez clair, c'est assez polémique, on va dire, mais en tout cas, assez bien envoyé, en tout cas. Alors, il détaille toutes les raisons pour lesquelles le taux d'intérêt doit être libre. Alors, par exemple, le fait simplement qu'il représente la rémunération d'un risque, et donc ce risque, s'il est grand, l'intérêt doit être grand. Il détaille assez largement tous ces points. Et c'est vrai qu'on a peu d'auteurs qui ont défendu le libre taux d'intérêt. On a par exemple Turgot, mais c'est 50 ans plus tard. On a Bentham, qu'on cite encore, mais
Mais Cantillon est un des premiers à réclamer la liberté du taux d'intérêt. Donc là également, c'est un point qui le fait classer dans les libéraux. Et ensuite, confiance envers les mécanismes de marché. Dans beaucoup de passages, il explique pourquoi le fonctionnement concurrentiel permettra de rééquilibrer, par exemple, de rééquilibrer les prix, par exemple, ou bien la demande envers certains biens. Donc, il a confiance en les mécanismes du marché, pas forcément une confiance qui est aveugle, parce qu'il ne dit pas c'est le dieu marché, il faut suivre, etc. Mais tout de même, il fait remarquer que il y a plus de logique à suivre le marché que de croire qu'il y a une alternative possible à ce que, par exemple, on fixe des prix ou on fixe des quantités demandées ou offertes pour certaines marchandises, par exemple. Il détaille un peu plus une sorte de marché du travail, finalement. Il écrit « Si le roi de France envoyait 100 000 sujets à ses frais en Hollande pour y apprendre la marine, il serait inutile à leur retour si on n'envoyait pas plus de vaisseaux en mer qu'auparavant. » Ce qui est logique, mais tout de même... Donc il dit, en fait, finalement, cette phrase est sortie d'un passage où il explique que si le besoin est né, l'offre sera suffisante pour y répondre. Mais là encore, il aurait pu forcément peut-être indiquer que c'est par l'intérêt personnel des individus qu'on atteindra un tel résultat, mais c'est une notion qui n'est pas présente chez lui. Alors, on va faire rapide peut-être. Ouais, il faut laisser quand même 5-6 minutes pour les questions. Donc, je fais rapidement peut-être. Là, il faut conclure. Je ne sais pas si c'est... Non, c'est assez rapide. D'accord. Juste voir l'influence quand même de Cantillon. Alors, ce qui est amusant, c'est que Cantillon... Donc, c'est comme ça que tu fais le lien avec la prochaine, peut-être. Oui, bah oui, c'est le but. Je pense. Parce que la prochaine, c'est sur Quesnay et la physiocratie. Donc, c'est vrai que Cantillon, en fait, finalement, est un trait d'union entre tout ce qui s'est passé avant, puisqu'il le reprend, il s'en inspire aussi, et la physiocratie. Alors, Mirabeau donc avait le manuscrit pendant 15 ans, c'est lui-même qui l'a affirmé. Donc il a le manuscrit, et puis il veut faire un commentaire, parce qu'il trouve que cet ouvrage est majeur, est trop peu connu, etc. Et donc, il veut faire un commentaire, et par la suite, l'ouvrage est publié. Donc il se ravise. Et puis il publie une sorte de commentaire, mais qu'il a beaucoup changé, qu'il a beaucoup transformé, et qui est L'Ami des Hommes. Alors, je ne sais pas si des gens connaissent le livre L'Ami des Hommes, sans doute personne. Et pourtant, c'est, je pense que c'est de très loin l'ouvrage économique qui s'est le plus vendu et qui a été le plus diffusé à l'époque. Alors, il faut dire qu'il y a même des boutiques qui se sont appelées L'Ami des Hommes dans Paris, tellement il se vendait. Alors, il y a eu, je pense, j'ai vu quelque part qu'il y avait une vingtaine, une trentaine d'éditions en 5 ans, ce qui est quand même assez fort. Et les libraires se sont enrichis. Il y en a plusieurs qui ont fermé leur librairie 2 ans après la publication, tellement ils étaient devenus riches. Enfin, c'est un livre de Mirabeau. Donc c'est vraiment, ça a été un grand, grand succès. Et dedans, alors dans l'introduction, il écrit... Mirabeau écrit « J'entrepris ce livre d'abord dans la forme d'un commentaire libre sur un ouvrage excellent que je possédais alors en manuscrit et que je voulais donner au public. Cet ouvrage parut avant que j'eusse entrepris la troisième partie. Cela me détermina à changer la forme de mon ouvrage et à rassembler sous des titres à moi des morceaux épars et négligés que j'avais laissé couler de ma plume. » En fait, après, il détaille aussi, il fait un éloge aussi de Cantillon en le nommant, mais il ne le note pas directement dans l'introduction. Et alors, c'est... Ce fait-là, on pourrait être à la limite oublié, parce que même s'il s'est bien vendu, on va dire que L'Ami des Hommes n'est pas un succès contemporain, en tout cas. Par contre, il a eu une influence sur l'école physiocratique, puisque Quesnay, à l'époque de la publication de l'ouvrage de Cantillon, est encore un médecin et il ne s'intéresse pas à l'économie du tout. Et c'est peut-être avec cette publication-là de Cantillon, peut-être également avec L'Ami des Hommes de Mirabeau, qu'il s'intéresse à l'économie, et puis, en grand savant, il pense qu'il a tout compris à l'économie et qu'il veut faire des disciples. Et donc, il appelle Mirabeau, qui est devenu une grande star, hein, qu'on invite, on paye des places pour être proche de lui, dans les réceptions, etc.
Et donc il invite à Versailles, où il était, l'entresol de Madame de Pompadour, et il le fait venir. Et donc, alors je vais peut-être quand même prendre le temps juste de citer ce passage, je ne sais pas si j'ai le temps. En fait, c'est Mirabeau qui a raconté à Rousseau, après, par la suite, qu'il est venu rencontrer Quesnay, après avoir publié, qu'il était très heureux. Alors, il écrit à Rousseau quelques années après: « J'avais pris mes premières et uniques notions à cet égard dans l'essai sur la nature du commerce de M. Cantillon, que j'avais depuis 15 ans en manuscrit. Cet auteur, beau génie d'ailleurs à bien des égards, élevé dans le commerce, n'avait fait par ses spéculations et ses recherches que perfectionner l'erreur éclose dans le dernier siècle qui regarde le commerce comme principe de richesse. En conséquence, j'avais comme lui et tant d'autres conclu, il détaille un petit peu quelques points, et donc il détaille les idées qui s'étaient faites d'après la lecture de Cantillon, et ensuite il dit « En cet état, je me trouvais invulnérable et je papillotais à mon aise la décoration de mon édifice politique. » Donc il détaille qu'il a d'autres idées politiques par la suite. Et jamais Goliath n'alla au combat avec tant de confiance que j'en eus pour aller chercher un homme qu'on m'apprit à avoir émargé sur mon livre ces audacieuses paroles. L'enfant a tété du mauvais lait, la force de son tempérament le redresse souvent dans les résultats, mais il n'entend rien au principe. Là, c'était Quesnay, en fait, qui avait noté ça sur le livre L'ami des hommes. Et donc les deux vont se rencontrer, et Mirabeau, c'est quelque chose qui arrive peu, Mirabeau va abandonner ses idées, va dire « c'est vrai, j'ai tort complètement ». Apprends-moi l'ensemble de ton savoir économique. Quesnay n'avait rien appris, quoi que ce soit. Donc il n'avait pas encore fait son tableau économique, etc. Et il le fait, il va le faire exactement pour cette raison, pour expliquer à Mirabeau, expliquer à tout le monde les idées économiques qui s'étaient faites et qui étaient apparemment différentes de Cantillon. Donc vraiment, Cantillon est finalement la personnalité centrale, en fait, de la création de la secte physiocratique, comme on disait à son époque. Et effectivement, chez Cantillon, on a aussi quelques idées physiocratiques sur l'agriculture, sur le commerce. Mais je passe, on verra ça peut-être la prochaine fois. Alors, les économistes classiques ont beaucoup utilisé Cantillon. D'abord, c'est vrai qu'à partir de l'essai, on va beaucoup faire des traités généraux sur la richesse. Et la richesse des nations est exactement ça. C'est un traité général sur la richesse des nations, comme son titre l'indique. Ensuite, on a la même théorie de la richesse, c'est-à-dire que la richesse, c'est les denrées, les biens, avec même une ressemblance, puisque Cantillon ouvre son livre sur ça, en disant que les richesses, ce sont les biens consommables, etc. Et les termes vont être très très proches chez Beccaria, par exemple, et chez Adam Smith, qui commence de la même façon son ouvrage. Ensuite, Cantillon fait la distinction entre valeur de marché et valeur d'usage, qui est nouvelle. Une distinction qui est nouvelle et qui va être récupérée par Smith et par les classiques. Donc c'est vrai que le début des ouvrages des classiques, des Ricardo, etc., on les retrouve entièrement chez Cantillon. Et même les mots eux-mêmes, on les retrouve. Donc c'est quand même des choses très proches. Et ensuite, Cantillon, c'est peu connu, mais Cantillon a été aussi un pré-malthusien. Il a noté par exemple une phrase: « Les hommes se multiplient comme des souris dans une grange s'ils ont le moyen de subsister sans limitation. » Et il a détaillé toute cette théorie. Et en fait, d'ailleurs, on doit la publication de l'essai de Cantillon en 1958, la réédition récente, par l'INED, l'Institut National des Études Démographiques, grâce à Joseph Spengler, qui a fait un livre qui s'appelle « Les précurseurs français de Malthus », où il détaille Cantillon comme un précurseur majeur de Malthus. Et donc cet institut, qui est public, a fait sa première publication comme ouvrage, c'était la réédition de Cantillon. Donc c'est grâce à ce fait-là. Et ensuite, on va finir quand même rapidement, puisqu'on arrive au terme. Alors, c'est vrai que Cantillon, c'est un auteur majeur pour l'école autrichienne. Il est admiré par tous. Hayek, par exemple, Hayek a fait traduire, en fait, l'ouvrage de Cantillon en allemand, puisque c'est sa femme, en fait, qui l'a traduit. Et lui a fait l'introduction. C'est beau. Son introduction, c'est un éloge. Hein, il rassemble les différents points, il explique pourquoi Cantillon a vu avant tout le monde le rôle de l'entrepreneur dans l'économie de marché. Il a vu que l'inflation n'était pas égale, ne touchait pas également toute la population. Il a vu également que les mécanismes de marché fonctionnaient sans intervention d'une puissance publique, etc. Il a vu aussi que la méthodologie appropriée pour la recherche économique, etc.
Donc il y a que des éloges en fait finalement dans cette introduction. Et on retrouve à peu près la même chose chez Rothbard par exemple, qui a fait deux volumes d'une histoire de la pensée économique. Et dans le premier volume, qui est consacré au précurseur d'Adam Smith, il a un chapitre qui s'appelle « Le père fondateur de l'économie moderne, Richard Cantillon ». Pour lui, c'est vraiment le père fondateur. Alors, si on avait le temps, je vous aurais parlé du traitement de Cantillon chez des auteurs qui ont accès aux grandes librairies, on va dire, avec des manuels d'histoire de la pensée économique. Alors, ils sont parfois même pas mentionnés une seule fois. Enfin, Cantillon est parfois pas mentionné une seule fois. Donc, c'est très différent chez les Autrichiens qui ont vraiment une grande admiration pour Cantillon. Et ensuite, alors voilà, je détaille quand même les points. Pour tous ces points-là, donc subjectivisme, entrepreneur, théorie des cycles économiques, quand même, parce que par exemple, je vais finir par ça. Donc, ça, c'est les points pour lesquels on ne doit pas oublier Cantillon. Alors, juste un dernier passage. Qui moi m'avait vraiment marqué à la lecture, qui me marque à chaque fois dès que je relis l'essai de Cantillon, c'est une banque nationale dans la capitale d'un grand royaume ou état semble devoir moins contribuer à l'utilité de la circulation à cause de l'éloignement de ses provinces que dans un petit état. Continue. Et lorsque l'argent y circule en plus grande abondance que chez ses voisins, une banque nationale y fait plus de mal que de bien, et c'est là où ça devient fort. Une abondance d'argent fictif et imaginaire cause les mêmes désavantages qu'une augmentation d'argent réel en circulation pour y hausser le prix de la terre et du travail, soit pour enchérir les ouvrages et manufactures au hasard de les perdre dans la suite. Mais cette abondance furtive s'évanouit à la première bouffée de discrédit et précipite le désordre. Donc là, c'est vraiment, finalement, on a une première anticipation, on va dire, parce qu'on va dire non plus que Cantillon est tout compris avant les Autrichiens, mais en tout cas, il remarque quand même, et c'est vrai que c'est ce qui est arrivé avec le système de John Law, donc en même temps, il est observateur, il est fin observateur plutôt aussi que théoricien, mais en tout cas, il a bien vu que les cycles économiques naissaient en partie de l'émission surabondante de monnaie, et qu'on avait des phénomènes de transmission, de redistribution de richesses, et de faillite ensuite, à cause d'un discrédit. Voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Oui, merci, bravo. Alors, sans prolonger trop, mais s'il y a quelques questions, n'hésitez pas, bien sûr. Et vous pourrez continuer après à parler autour des bouquins. Et donc, voilà, mais la parole est au public. Oui. Oui, merci pour cette exposé. Fascinant. Je voulais parler un petit peu de la monnaie sur le Cantillon. Pour aller droit au but, est-ce que des technologies comme le Bitcoin, la monnaie en cause, cet aspect très matérialiste de la monnaie? Ouais. Si on prend une lecture vraiment rigide, on va dire, de Cantillon, forcément, chez lui, c'est la monnaie marchandise, c'est la monnaie métallique, forcément, qui prévaut. On ne pourrait pas dire qu'on peut lire chez lui des éléments qui permettent de penser qu'il serait pour une monnaie électronique. Mais maintenant, après, il faut prendre en considération le fait qu'il y ait tous les siècles qui sont passés. Mais en tout cas, une innovation financière à l'époque, comme le billet de banque, il y est favorable en tant qu'émission privée. Donc pour des banques privées, il est pour le fait que des banques établies sans monopole émettent des billets, que des gens les utilisent, les revendent, etc. Donc ça, en tout cas, il est pour. Donc il n'est pas contre la monnaie papier, il est contre la monnaie à cours forcé, sans valeur, mais avec une valeur finalement figée et autoritaire qui lui est attribuée. Parce qu'un billet de banque a la valeur qu'on lui donne, c'est-à-dire c'est la confiance, mais la confiance qui est attribuée par l'échange, c'est-à-dire qu'on accepte d'avoir confiance en cette banque, ou alors on n'accepte pas et on ne prend pas le billet. Donc, alors je ne sais pas s'il aurait été pour ou contre Bitcoin, mais bon, y a les éléments qui permettent de dire que oui, en tout cas, puisqu'il était pour un billet de banque émis par une banque privée, donc,
a priori, il n'est pas contre la dématérialisation, puisqu'il y avait beaucoup d'avantages, et il y en a. Mais par contre, il est contre la monnaie court forcée, la monnaie sans valeur, la monnaie de papier. Par exemple. Mais la distinction, enfin, la grande idée ici, c'est que ces banques qui vont payer, elles donnent de l'or à l'échange des billets. Oui. Alors que les assignats. Oui, mais là, par contre, le souci, c'est que c'était court forcé. C'est-à-dire qu'après, on s'en sert. La valeur, dans le cas d'une banque. D'une banque privée, on va dire, on peut ne pas participer, on va dire, à l'opération. Alors que dans le cas d'une banque publique, comme aujourd'hui par exemple, on ne peut pas dire je ne participe pas à l'euro. On ne peut pas tout seul dire je ne participe pas à l'euro. Par contre, on peut ne pas participer à, par exemple, des remises de. Comment on appelle ça, des lettres de change de telle ou telle banque. Voilà. Moi, par exemple, je ne participe pas aux lettres de change entre telle entreprise et puis leur banque. Moi, je n'y participe pas. Si jamais il y a un problème de confiance entre eux, je ne suis pas impacté. Parce que je ne suis pas partie prenante, alors que quand une banque est publique, elle implique forcément toute la communauté. La banque libre écossaise, je crois que c'est de 1730 à 1760 à peu près. Oui, jusqu'à un peu plus tôt que ça, 1840-150 à peu près. Et Cortillon précisait bien qu'il était pour les banques libres, mais à chaque fois, les billets émis devaient être gagés sur un montant d'or pour lui-même, il le précise bien. Ça, il ne le précise pas vraiment. Par exemple, il n'est pas non plus opposé aux réserves fractionnaires, comme on dit, puisqu'il dit que, par exemple, avec 10%, il n'y a pas de souci. Par contre, on peut passer à 50% si on pense que la banque n'a pas forcément acquis une crédibilité complète. Mais c'est vrai qu'il fait la distinction, il ne la fait pas vraiment explicitement, mais c'est vrai qu'on la comprend, qu'il fait une distinction entre des banques privées et puis une banque publique nationale qui mettrait des billets à cours forcé, etc. Mais sinon, sur les banques privées, il en parle peu. Par exemple, il parle peu du fait qu'en Écosse, il y avait des expérimentations libérales. Mais c'est vrai que... c'est des éléments qu'on peut puiser dans son texte, mais il n'en fait pas une analyse vraiment approfondie. Ce qu'on peut dire, peut-être, c'est que la référence qu'il avait, c'était le système de l'eau, qui était gagé sur les espoirs de faire des découvertes les actions de la campagne. Donc elle n'était pas gagée sur des biens réels, mais sur les espoirs de profits futurs. Ouais. Mais c'est vrai qu'il a toujours en tête, mais sans le citer, mais il a toujours en tête le système de l'eau. Donc c'est vrai que. À part ça, on ne sait pas vraiment quel est son avis. On sait qu'il est critique envers John Law, on sait pourquoi, il donne les raisons. Mais pour le reste, pour les autres systèmes, on ne sait pas vraiment. Et quand je vous dis sur les banques privées, finalement, c'est par rapport à quelques remarques qu'il fait. On sent qu'il est plutôt pour. Mais voilà, parce qu'il dit qu'avec 10% par exemple, ou avec 50%, la banque peut très bien fonctionner. Alors est-ce qu'il dit qu'elle peut bien fonctionner, mais il pense que c'est immoral, etc. On ne sait pas. Il ne le dit pas explicitement. Donc, Tu vas sortir une édition papier, je crois, de son essai sur la nature du commerce. Bah, à partir du texte, on a repris le texte de Stéphane qui l'avait numérisé. Et, qui est un peu brut de fonderie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'introduction. Oui, voilà, je m'en occupe. Il faut préciser qu'il y a une différence souvent entre les éditions électroniques qui sont disponibles sur le site et puis les éditions papier où il y a plus d'explications. Voilà, c'est le but. Oui, parce qu'en fait, cette édition, je vous parlais d'une édition de 1957, elle a été rééditée, je pense, en 1990, mais elle n'est plus disponible aujourd'hui, elle est épuisée. Donc le but aussi, c'est d'en faire une nouvelle, parce que c'est plus disponible. Oui. C'est plus économique que l'édition originale, l'idée de l'édition aujourd'hui. Du prix. Le prix, autour de 10 euros, moins de 10 euros. Non, l'édition originale. Comment ça ? Le prix de... Aujourd'hui, sur le marché. Ah, ça doit être bien cher. Ah, je sais pas, j'ai pas... Vous savez, 40 et 50 000 euros. Ah, c'est sympa. Non, mais ça m'étonne pas, parce que c'est vrai que le nombre d'exemplaires à l'époque ne sont pas très nombreux. Pour les collectionneurs, si... On sait combien il en reste dans la circulation. Il y en a en vente actuellement. Ça peut être pas mal sur le petit copain. Si quelqu'un veut faire un don sur l'édition originale, il n'y a pas de problème.
Alors la prochaine conférence aura lieu le mercredi 8 avril sur Quel est les physiocrates. Ouais. Un mercredi 8 avril, voilà. Et Turgot à la suite, après. La suivante, je ne sais plus la date, mais enfin, ça sera indiqué, ça sera sur le site. Vous pourrez d'ailleurs aussi consulter, bon, je pense qu'on le mettra sur le site, ton PowerPoint. Oui, on le mettra et la vidéo en même temps. Avec voilà, quelques textes complémentaires. Ouais. Bon, on a déjà fait vrai qu'on a beaucoup d'articles déjà quand même sur l'Institut sur Quantillon. C'est pas pour faire la pub, mais. Non, mais toi tu prépares aussi un texte d'introduction à Quantillon. Bah, à partir de ce travail-là, c'est vrai que j'avais fait ce travail-là pour faire une introduction à une réédition de l'essai de Quantillon, avec des notes également. Voilà. Très bien. Bon, bah, merci.